tous, donc nous voici pour la deuxième vidéo de Gym 12. Vous n'aurez pas besoin de matériel cette fois-ci, c'est uniquement avec le corps. Donc, juste peut-être un tapis ou une couverture ou un plaid. Et sinon, j'espère que tout le monde va bien et je vous souhaite déjà une très bonne séance. Donc voici, nous partons d'abord pour un exercice de respiration comme toujours. Vous allez inspirer. Levez les bras, aspirez, creusez dans le ventre et soufflez, relâchez. Ayez bien les pieds parallèles, inspirez, montez les bras, les fesses serrées, rentrez bien le ventre, expirez, soufflez. On fait ça encore 8 fois, inspirez. Encore 6 fois. Inspirez bien par le nez. Expirez par la bouche. Essayez de décoller votre nuque des épaules. Les épaules sont bien basses et vers l'arrière. On regarde droit devant, soit on ne regarde pas le plafond, ni ses pieds. Non, on est bien droit devant. On allonge dans la colonne vertébrale. Inspirez. Soufflez. Fais ça encore 2 fois. Donc les pieds sont bien ancrés au sol. Inspirez. Soufflez. Pour une dernière fois. J'enlève déjà mon petit pull. Hop, ok, on va partir pour un exercice d'échauffement de bras où simplement je vais inspirer, monter les bras à hauteur des épaules et petit rond vers l'avant. Alors quand je lève mes bras à hauteur des épaules, je ne lève pas et je ne creuse pas dans la nuque, donc je suis bien grande, toujours les pieds parallèles, toujours regarder droit devant, serrer les fesses, bassin pas en antéversion, en rétroversion, c'est-à-dire bassin vers l'avant. On continue. Les mains vers l'avant, la rotation vers l'avant, pardon. Et on regarde bien devant. On souffle bien. Inspirez profondément et expirez profondément également. Voilà. On reste. On fait des petits ronds pour le moment. Et quand je le dirai, on augmentera les ronds. On peut tout doucement augmenter les ronds pour venir faire de plus grands cercles. Attention, quand je viens faire des grands cercles, le reste de mon corps ne bouge pas. On regarde toujours bien devant soi, colonne vertébrale et dents. L'allongement, on est en grande rotation. On est les pieds ancrés au sol et on va revenir à des petits élavons. Vous commencez normalement à sentir vos bras chauds. Voilà, continuez à bien respirer. Grande respiration. Essayez toujours d'avoir les épaules basses et vers l'arrière. On contrôle les petits ronds. On ne se laisse pas aller vers l'avant ni vers l'arrière avec le corps. On est fixe. Et relâchez. Voilà. Vous pouvez faire 10 rotations vers l'arrière avec les épaules. On inspire encore une fois très profondément. Ici, reste du corps, ne bouge pas. Là, on peut venir coller les épaules aux oreilles et venir exagérer le mouvement pour relâcher les épaules, relâcher les tensions dans la nuque. On fait encore 4, 3, 2, 1 et vers l'avant. 10 fois, encore une fois, on exagère le mouvement. Souffle bien. Inspire. Encore 3, 2, 1. Et je me remets. Pour refaire une deuxième fois, je vais inspirer, monter.
Baissez les bras autour des épaules. Pliez légèrement les coudes pour faire d'hyperextension. Et cette fois-ci, on va commencer par des grands ronds. Voilà, contrôlez le mouvement des bras. Ne laissez pas aller les bras. Non, ils sont toniques. Et on revient à des plus petits ronds. Tout petit, hop. Je reviens à l'horizontale. Petit rond vers l'avant. Et dans 10 secondes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vers l'arrière, des petits ronds vers l'arrière. Encore une fois, essayez de ne pas vous laisser aller avec les battements. Donc, hop, je suis tonique, le reste de mon corps est fixe et ancré au sol et je ne bouge pas. Essayez encore une fois de respirer et dans 5 secondes, on va accompagner de lever de genoux maintenant, lever les genoux à hauteur des hanches. Voilà, quand on redépose les pieds, on est souple, on redépose les pieds parallèles, hauteur des hanches, on fixe le bassin. Pour ne pas aller d'un côté puis de l'autre, donc je fixe. Encore 5 secondes. Et je relâche. Ok, cette fois-ci, on va dégourdir la nuque. Relâcher les jambes. Hop, parallèle. Et je tourne vers la droite. Attention à ne pas venir trop vers l'arrière. Pour ne pas creuser les vertèbres. Je viens coller mon épaule gauche. Je viens coller mon menton à la poitrine. Je colle avec mon oreille droite, l'épaule droite. Je reviens sur le côté. Encore 5 fois. 4. N'allez pas trop vite pour ne pas avoir le tournis. Encore une dernière fois. Ok, je change de sens. Voilà, vous pouvez vraiment sentir que ça tire dans la nuque quand vous êtes vers l'avant. Relâchez les tensions. Inspirez, soufflez calmement. N'allez pas chercher trop derrière. Hop, encore 3. 2. Et je relâche. On va partir pour une troisième série de bras à l'horizontale. Normalement, vous pouvez sentir que ça commence à chauffer dans les épaules et le long du bras, c'est tout à fait normal. C'est parti, inspirez, montez, hauteur des épaules. Et puis, on commence la rotation, petite rotation, on ne fait plus des grandes rotations. On changera après l'exercice, donc petite rotation. Essayez toujours d'être pieds parallèles. Pliez légèrement les genoux, déverrouillez les genoux pour ne pas faire d'hyperextension. Hop, non, je plie, je palpe le bassin en antéversion, mais en rétroversion. Hop, vers l'avant, je rentre mon ventre, j'engage mes abdos, je serre mes abdos. Je suis ancrée au sol et je souffle. J'essaye de ne pas penser à mes bras, mais à tout le reste. Et vers l'arrière, c'est parti. Encore une fois, dans 5 secondes, on va lever les genoux. Mais attention, au lieu de faire des rotations, on va faire des battements. Ok, c'est parti. Battement avec les bras et je lève mes genoux. J'essaye d'être fixe. Je fixe mon bassin, je fixe un poids devant moi. J'essaye de garder les bras à hauteur des épaules. Je décolle mes épaules de mes oreilles. Hop, je reviens chaque fois pieds parallèles, distance autour des hanches. Je souffle bien. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Attention, je ne relâche pas, je relâche juste les jambes et je refais des rotations. 10 en avant. 5, 4, 3, 2,
en avant et 10 en arrière. Allez, les dernières. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je peux relâcher mes bras. On va maintenant relâcher un maximum la nuque. Donc tout à l'heure, on a fait des rotations. Ici, on va faire un nom avec la nuque. Hop, je viens bien chercher. Le reste de mon corps ne bouge pas. Encore une fois, les épaules sont basses. Et je viens étirer la nuque un maximum vers la gauche et vers la droite. Je souffle à chaque fois que je vais chercher loin. Essayez d'avoir juste le menton à hauteur de l'épaule, pas plus loin. Ok, ça ne sert à rien non plus d'aller chercher trop loin dans l'étirement. Ça doit juste relâcher. Encore deux fois de chaque côté. Une fois. Et relâcher. Ok, on va passer à des squats classiques. Donc, je me mets en position d'abord. Les pieds sont parallèles. Je vais aller chercher le sol. Je vais inspirer et quand je remonte, j'expire. Donc c'est parti. Inspirer, souffler, monter. Inspirer, souffler, monter. Essayez d'avoir les genoux toujours à hauteur des chevilles ou en tout cas qui ne dépassent pas la pointe des pieds. Je vais chercher vers l'arrière et vers le bas avec mes fesses. Je regarde un point au sol devant moi pour ne pas creuser la nuque. Ne regardez pas le plafond. Non. Hop. Et je souffle. Encore deux fois. Ah. Et je reste en bas. Toujours les pieds parallèles. Je reste bien bas. Je rentre le ventre, je suis allongée dans la nuque. Ok, je ne suis pas creuse, non. Hop, je suis allongée. Hop, je reste. Je fais travailler mes quadriceps et mes quadriceps qui chauffent. J'inspire, j'engage mes abdominaux. Et dans 5, 4, 3, 2, 1, je fais des petites plus. Je viens accentuer le travail de mes membres inférieurs et je souffle bien. Voilà, là ça commence à chauffer. Encore 3, 2, 1. Attention, je souffle, je me remets. Ok, je dégourdis mes jambes. Pour dégourdir mes jambes, je vais faire hop, comme ceci, une jambe tendue, une jambe pliée, mais je ne décolle jamais mes pieds du sol. On dégourdit pendant encore 5 secondes et on va repartir pour un squat. Et c'est parti, on repart pour 10 squats classiques. Hop, je reviens. Inspirez, soufflez. Serrez les fesses quand vous êtes au-dessus pour accentuer le travail des fessiers. Encore 6. Essayez de freiner le mouvement quand vous descendez et soyez un peu plus dynamique quand vous remontez. 3, 2, 1. Je reste en bas. Et attention, petite pulse. Pendant 10 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche, je souffle et je me remets. Et cette fois-ci, on va dégourdir les pieds. Rotation vers l'extérieur et vers l'intérieur. En même temps, un petit exercice d'équilibre où je suis ancrée au sol avec mon pied gauche. Ok, relâchez autre pied. Vous allez comprendre pourquoi j'échauffe un peu le pied pour l'exercice suivant.
pour 3, 2, 1. Et je change de sens de rotation. C'est toujours bien d'être ancré au sol à chaque fois que vous êtes en équilibre et utilisez vos abdos, même si c'est un exercice de relâchement. Toujours être tonique pendant la séance. Ok, on va partir maintenant sur un squat, mais un peu plus écarté. Bon, ça s'appelle le squat sumo. Toujours les pieds parallèles, donc pas vers l'extérieur, toujours ici parallèle. Et je vais faire 10 squats, simple, hop, je monte et je descends. Inspirez, descendez, montez, soufflez. Essayez toujours d'avoir le genou dans l'axe, donc jamais ne dépasse la pointe des pieds. Je viens bien chercher vers l'arrière et vers le bas avec mes fesses. Je souffle, je monte et je serre mes fesses quand je suis au-dessus. Le reste de mon corps ici est relâché, mes épaules sont basses. Fais encore 5 fois. Encore 2. Oh, attention, je reste en bas. Ici, je ne vais pas faire de pulse, je vais monter sur la pointe des pieds, redescendre. Donc, je suis toujours en position squat. Attention, bassin en rétroversion. Donc, vers l'avant, j'engage mes abdominaux. C'est parti, on monte, on relâche. On monte, relâchez. Encore 8 fois. 6. 5, 4, 3, 2, essayez de freiner bien la descente, allez, ça chauffe aux cuisses, ça chauffe aux mollets, le dernier, et soufflez, remontez. Ok, super, on dégourdit les chevilles, les cuisses, les mollets, et on va repartir pour une deuxième fois. Vous avez compris pourquoi j'avais échauffé un peu la cheville. Ok, c'est parti, on refait une deuxième fois. Donc toujours squat sumo, pieds parallèles. On fait 10, soufflez, montez, inspirez, descendez. Toujours regardez un point au sol devant soi pour avoir la nuque dans le prolongement de la colonne. Aidez-vous de vos cuisses et de vos abdos. C'est d'avoir le bassin, hop, vers l'avant, jamais creux. Encore 3, 2, 1. Attention, je reste en bas, je monte sur ma pointe de pied. C'est parti, hop, hop, et je relâche tout doucement. Aidez-vous encore une fois de vos abdos. 4. 3. 2. 1. Allez, le dernier. Ok, je souffle, je monte, je relâche. Et là, je sens mes cuisses. Je peux faire un peu des rotations vers l'extérieur pour relâcher. Ensuite, on va partir sur des fentes. On va commencer par le pied gauche et le pied droit en équilibre. Donc, je vais monter mon genou à hauteur des hanches et je vais venir chercher derrière et puis revenir. Alors, pour ça, on fixe vraiment bien le poids. Ça permet d'avoir un bon équilibre. Je serre les fesses, je déverrouille mes genoux et je me serre de mes abdos. On fait ça encore 8 fois. 7. 6. Essayez vraiment bien de déverrouiller ici le genou et d'être tonique. Vous allez sentir dans la fesse, dans la cuisse,
dans le mollet. Essayez d'être bien ancré au sol. Concentrez-vous sur votre mouvement. Inspirez, soufflez quand vous ramenez le genou devant. Et ne déposez jamais votre pied. Encore deux fois. Une fois. Attention, je ramène, je ne dépose pas. Et je vais venir, hop, mettre mon pied vers l'arrière, toujours parallèle au pied, pas sur la même ligne. Et je vais venir descendre en squat, en fente, hop, et je remonte. Essayez d'avoir bien le genou toujours ici dans l'axe. Inspirez, soufflez, remontez. Inspirez, soufflez, remontez. Je suis droite ici. Je rentre mon ventre et mon dos ne creuse pas, car mon bassin est vers l'avant. Je regarde un poids devant moi. Mes épaules sont décollées. Je souffle. Encore 4, 3, 2, 1. Et je reviens. Pied parallèle. Je relâche un tout petit peu. Et avant de faire l'autre jambe, je vais remettre mon pied derrière. Cette fois-ci, je vais déposer pas le... Non, on ne dépose pas le genou, excusez-moi. Et je vais venir étirer. Donc là, vous pouvez avancer votre genou au-delà de la pointe de pied. Et vous allez venir étirer ici la hanche. Pouvez-vous laisser aller sur la jambe gauche. On reste 10 secondes. Ok, on va passer maintenant sur l'autre jambe, donc pareil, hop, équilibre sur la jambe droite, je déverrouille, pointe de pied vers l'avant, hop, hanche, genou à hauteur des hanches et je viens chercher vers l'arrière, je fixe un poids, je rentre le ventre, je serre les fesses, soufflez, revenez, encore 9, encore 8, essayez de regarder vraiment un point. Pour avoir vraiment la nuque dans le prolongement ici. Soufflez bien. Alors les mains, soit vous les mettez aux hanches, soit vous les mettez devant. C'est vous qui voyez comment vous avez plus d'équilibre. Soufflez bien. Encore 4 fois. Ouh, je perds l'équilibre. C'est pas grave, c'est parce que je n'étais pas concentrée. Ok, le dernier. Attention, cette fois-ci, on va aller mettre la jambe vers l'arrière. Je fais attention à mon genou qui reste dans l'axe. Je suis bien les pieds bien parallèles, pas sur la même ligne. Et c'est parti. Hop, je souffle, je remonte. Je en fais 10. Encore 8. Soufflez, montez. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et je reviens. Finalement, je ne reviens pas comme tout à l'heure. Je reste bien la jambe derrière et je viens étirer ici ma hanche. Je me relâche. La colonne est dans le prolongement et je me laisse aller sur mon genou droit. La cuisse droite. Là, je relâche. Encore 5. 4. 1. Je mets mes mains par terre. Je me positionne en position gainage. Je peux me mettre soit sur les mains, soit sur les coudes. Si je suis sur les mains,
Je fais attention à la position de mes épaules, bien décollées des oreilles et les omoplates l'une contre l'autre. Si je me mets sur les coudes, c'est pareil. Et alors, je peux soit me mettre sur les pieds, talons vers l'arrière, fesses serrées et dos droit, soit sur les genoux, pareil, sauf que je mets mes genoux à terre. Et on reste pendant 30 secondes, facile. Là, on peut mettre un tapis, une couverture. Et on souffle bien. Encore 10 secondes. Et je relâche. Position de l'enfant. Hop, je prends mon tapis. Position de l'enfant, c'est quoi? C'est talons, fesses sur les talons. Je vais chercher loin devant et je me relâche. Inspirez, gonflez votre ventre. Expirez, relâchez tout l'air qu'il y a dans votre ventre. Et restez. Relâchez encore une respiration. Ok, expirez, relâchez tout. Je crochette mes pieds et hop, je vais me remettre en position gainage. Moi, je préfère les coudes et je reste encore 30 secondes. Soufflez. On reste bien dans l'allongement, on serre les fesses, les mains sont à plat au sol, les coudes sont à hauteur des épaules. 3, 2, 1, relâchez, position de l'enfant. Je relâche le tout, j'inspire, je gonfle mon ventre, j'expire, je creuse, je souffle. Encore une respiration. Inspirez, soufflez-vous. Ok, j'arrive en position quatre pattes. Je mets, voilà, ça sera mieux. Position quatre pattes, genoux hauteur des hanches, mains hauteur des épaules. Je vais reculer ma jambe gauche vers l'arrière. Le reste de mon corps ne bouge pas. Pointe de pied vers le sol. Je suis les fesses serrées. Et comme je disais, le reste du corps ne bouge pas. Donc j'engage mes abdominaux un maximum. Je reviens. Inspirez, soufflez, montez. Inspirez, soufflez, montez. On fait ça encore 5 fois. 4. 3, 2, 1, et je reste au-dessus, je plie ma jambe, plante de pied vers le plafond, et cette fois-ci, je vais faire des petites pulses vers le plafond. Attention, je ne creuse pas, je suis bien droite, mes omoplates sont l'une contre l'autre, allongement de la nuque, je regarde entre mes deux mains. Et je fais ça encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Attention, je ne relâche pas, je tends, je reste. Pointe de pied vers le sol. Et là, ça chauffe. On sent les fesses de la jambe droite. 5, 4. 3, 2, 1, je relâche, je vais passer, donc je crochette les pieds, je vais pousser mes fesses au plafond et chien tête en bas, je fais une jambe et puis l'autre, je relâche. Ok, je reviens.
Hop, position, quatre pattes. Et je vais faire l'autre jambe. Donc jambe droite, on est bien ancré au sol pour le reste de mon corps. Et c'est parti, je monte, pointe de pied vers le sol. Et deux, il faut en faire 10, 3, 4. Essayez de ne pas monter plus haut que l'alignement de la fesse. Sinon, vous avez tendance à creuser. Contrôlez le mouvement. Encore 3, 2, 1. Je reste au-dessus, je plie, plante de pied vers le plafond. Attention à ne pas creuser. Et je vais faire des petites pulses vers le haut tout en gardant le 90 degrés de ma jambe. Je viens chercher la fesse. J'engage mes abdos, je ne creuse pas. Je regarde toujours entre mes deux mains. Je ne laisse pas aller ma tête. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et je tends, je reste statique pendant 10 secondes. Pointe de pied vers le sol. Je ne creuse toujours pas. Encore 10, oh, pardon, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, je reviens, je peux mettre mes fesses sur mes talons, je passe en position tailleur et je viens chercher loin devant. Ici on sent les fesses qui étirent, donc j'inspire, je souffle, je viens tendre devant. Gonflez votre ventre. Expirez, soufflez tout l'air qu'il y a dans votre poumon. Venez creuser votre ventre. Et je reviens tout doucement. Je change de jambe. Donc celle qui était au-dessus vient en dessous. Et inversement. Et je viens encore une fois. On fait deux respirations. Inspirez. Gonflez, expirez, soufflez, venez chercher un tout petit peu plus loin sans vous faire mal. Relâchez bien votre dos, votre bassin. Soufflez, encore une fois, inspirez, gonflez votre ventre, relâchez. Laissez aller votre nuque vers le sol. Et soufflez, creusez votre ventre, venez chercher un tout petit peu plus loin. Ok, relâchez. Je me mets face à vous. Un dernier petit étirement. Inspirez. Je viens chercher le plafond. Je vais vers la gauche. Je vais vers la droite. J'inspire, je tends, je tends, je tends, j'expire. Je relâche. Donc voilà, vous avez vu que la séance était réservée uniquement pour les membres inférieurs. Donc, si vous avez des courbatures, pensez à moi. Sinon, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous, plein de courage et prenez soin de vous et de votre entourage.